Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, dans le bœuf social, je pourrais dire socio-entrepreneurial. Nos invités de ce jour, nous sommes le 25 mai 2022. Ces invités nous viennent de la République démocratique du Congo. Ils sont un couple, oui, mais chef d'entreprise surtout. Elle, c'est Rebecca, et lui, c'est Gideon Mukuna. Bonjour, Rebecca. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. Très bien, oui. Bon, bonjour Gideon. Bonjour Monsieur Zaki. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, et le café du Cameroun, là, ça passe? Super. Hein, Rebecca, c'est bon? C'est bon. Bon, je vous présente... Ça sent bon aussi, hein. Je vous présente donc ce café du Cameroun, voilà, une fois n'est pas coutume. J'ai pas été payé pour faire la pub de ce café du tout. Non, 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 non. Je le fais car il est bon. Voilà, c'est Madame Joya qui l'a remis à quelqu'un en Belgique et cette personne me l'a confié et nous goûtons ce café aujourd'hui qui est bon. Bon. Voilà, merci à Madame Damjoya de Fumban, maire de Fumban, qui a donc offert ce café à la dame par qui je vous connais, Anne Dorette. Ah, okay. D'accord. Voilà, merci. Madame Damjoya, merci. Envoyez-nous beaucoup de café comme ça. Ça nous manque. Hein? Mm-hmm. Hein? C'est quand même bizarre, c'est nous qui cultivons le café, mais ce sont les Occidentaux qui fixent le prix d'achat. Ah, c'est ça. Et c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Bon, il faut que ça change. Hein? Exactement. Ça doit changer, en tout cas. Ça doit changer. Voilà. Nous cultivons, les autres consomment, ils fixent au prix pour nous. Ouais. Bon, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, n'est-ce pas, Gideon? Ouais. Bon. Ça doit s'arranger. Hein. Il faut que ça s'arrange. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'aime recevoir des entrepreneurs ou donner la parole aux entrepreneurs africains. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vous, acteurs économiques, qui allez faire évoluer les choses. Exactement. J'en profite pour saluer Alain qui, en Chine, fait la promotion du café du Cameroun et d'Afrique. Donc, salut à toi, Alain, également. Voilà. Tu as des gens avec qui parler. Donc, vous êtes à la tête tous les deux. Vous êtes un couple, vous êtes mariés. Oui. Bien. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Développement pour tous. Oui. Vous êtes devenu de l'abbé Pierre ou de Mère Teresa. Qu'est-ce qui se passe? Hein, Rebecca? Mais non. Vous savez, avec l'entrepreneuriat, on peut dire que dans l'Afrique, les gens ne manquent pas d'entreprendre. Ils font quelque chose, ils ne savent pas au fait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça le changement. Mais maintenant, il faudrait qu'ils soient outillés, qu'ils soient amenés à un certain niveau, de sorte à ce que, qu'ils comprennent que s'ils font bien cette chose, la même chose, donc ils peuvent apporter beaucoup, changer l'Afrique, le monde. Voilà, alors le développement pour tous, c'est pour développer et l'être et les affaires. Développer l'être et les affaires. Voilà. Mais qui a eu cette idée-là? Ne me dites pas que c'est vous, je veux dire. Non, malheureusement, c'est... vous nous avez présenté comme un couple. Comme on a toujours dit, on est resté ensemble pendant longtemps. C'est après avoir vécu beaucoup de moments, vu beaucoup de choses. C'est pourquoi on s'est dit, mais attends, pourquoi on ne peut pas faire quelque chose qui peut profiter à tout le monde? C'est pourquoi on a dit, l'homme est capable de se développer sur tous les plans. Alors nous, notre société prend le développement sur les trois facettes. Vous avez le développement de l'être lui-même, la personne peut se développer. Vous avez le développement du mental. Le mental peut se développer. Le mindset, comme on dit, comme voilà, on dit en anglais. Le mindset. Et puis le développement des affaires, des finances. That's it. Voilà. Alors, vous, Gideon, j'ai vu que vous avez étudié en Belgique. Oui. Vous avez étudié dans quoi? Je fais les finances banque à l'Université de Liège. Ah, d'accord. Et après vos études, vous avez décidé de retourner dans votre pays? Oui, oui. Waouh. C'est courageux, hein? Hein? Non, c'est ça. Je sais que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi on a dit les soucis qu'on a, c'est au moins voir notre pays se développer. Et c'est bien bon quand on parle du pays. Les pays, c'est un mot. Mais qui sont dans les pays, c'est ça l'être. C'est pourquoi on est venu. Si l'être est développé, le pays est développé aussi. Et vous, Rebecca, vous avez fait des études de quoi? En fait, moi, j'ai fait la fiscalité. Oh, mon Dieu. On ne parle qu'argent dans ce couple, hein, fiscalité, finance et tout. Hein? J'ai fait la fiscalité et puis je suis aussi dans les recettes du pays, donc dans la reddition des comptes, d'accord, dans le ministère des Finances. C'est là que j'ai eu vraiment le goût de voir tout ce qui se passe, comment le budget du pays est utilisé, comment il est produit. Et ouais, qu'est-ce que je peux apporter au fait en tant qu'être et apporter aux autres êtres
pour que ça aille de personne en personne. Mmh. Et pourquoi n'y pas toucher toute l'Afrique, tout le monde entier. Eh bien, voilà. Mais, c'est ça la quête. Pardonnez-moi, nous ne sommes pas ici pour faire une émission de couple, mais j'ai envie de dire que vous vous êtes bien trouvés parce que vous avez le même mindset. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais si vous pouvez permettre, M. Jackie, pour la bien petite sûr. Histoire, mmh. J'ai été transformé en fait par elle. Ah bon? Oui, c'est elle qui avait commencé, s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, j'appréciais beaucoup plus le travail du bureau. Mm. Je mets être employé. Et être salarié. Mais avec ça, on ne devient jamais riche, hein, on ne voilà, développe rien du tout. Hein. Voilà. Elle s'est lancée dans ça. Quand je l'ai vu, notre premier mentor, Ricardo Kanyama, c'est lui qui a écrit les livres « Le chef de ma mère ». Mmh. C'est lui qui a commencé par transformer notre mindset par les finances. Mmh. L'argent, c'est quoi, tout ça. On a compris que pour devenir riche, ça ne demande pas d'aller dans des sectes, mais quelqu'un peut devenir riche à la voie normale. Mmh. En travaillant. En travaillant, voilà. Alors, elle a commencé dans ça, j'ai dit, mais c'était n'importe quoi, jusqu'à ce que j'ai compris que non, ça valait la peine. Quand j'ai rencontré moi-même Ricardo Kanyama, le millionnaire, et j'ai compris que je regrettais les temps perdus. Ah. Et maintenant, je suis devenu plus transformé qu'elle, qui m'a initié. Voilà. Donc, derrière une grande femme se cache désormais un grand homme. Exactement. Ah, c'est bien. Exactement. Félicitations, Rebecca. Merci. Alors, vous êtes en Europe, vous avez un peu tourné, je ne veux pas donner le pays où vous êtes allé, car on ne sait jamais. Ouais. Vous avez tourné en Europe, le couple et même le bébé qui dort dans la poussette à côté, mais vous n'avez pas votre bébé, c'est interdit. Qu'est-ce qui vous a amené en Europe cette fois-ci? Alors, comme on est dans la quête de stabiliser en fait l'entreprise pour que ça profite à tout le monde. Mmh. Nous savons que le besoin de développement n'est pas national, il est international. Mmh. Il y a des gens en Europe qui sont là, bien qu'ils vivent dans un pays développé, mais eux-mêmes ne sont pas développés. D'accord. Ça existe. Alors, on est venu pour tisser de relations, rencontrer des partenaires avec qui on peut évoluer dans tous les secteurs, parce que notre société a pratiquement 12 départements. Mmh. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Alors, on va voir dans quelle mesure signer des partenariats avec certaines personnes qui, ces partenariats, pourront les profiter à eux et profiter aussi à notre pays. Quoi. Il se murmure, Rebecca, que vous avez pensé à un partenariat avec JMTV+, pour vulgariser ce que vous faites. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Ah ben, ce serait bien. Hein? Bon. Comme ça, je pourrais aller. Non, ma ville là-bas, c'est Matadi, avec le bon poisson de Matadi. C'est juste à côté. Donc, ouais. Je salue tous ceux qui sont à Matadi là. Je vous aime beaucoup. J'aime aussi ceux de Kid, mais je préfère Matadi parce qu'il y a le bon poisson là-bas. La ville portuaire. Oui, il faut être au port là, il y a le poisson. Ouais. Voilà. Non, je n'ai rien contre ceux qui mangent la viande, mais le poisson, je préfère. Alors, votre entreprise, Développement pour tous, est donc basée à Kinshasa. Oui. Exactement. La capitale du pays. Oui. Waouh, ça c'est bien ça. Alors, j'ai lu que vous proposez beaucoup de services. Alors, Rebecca, quels sont les services que Développement pour tous propose? Il y en a environ 12. Citez-moi ce que vous citez. Je voulais préciser qu'on est allé sur ce qui nous tenait le plus à cœur. Mmh. C'est-à-dire qu'on reste ouvert à ajouter encore des services que nous pouvons offrir. Mais en ce moment, nous avons 12, nous avons des facs recrues, donc nous recrutons des jeunes. C'est vrai qu'on recrute des jeunes, il y a des entreprises qui le font, mais la différence avec nous, c'est qu'on recrute des jeunes, que nous formons, que nous amenons à un mindset, parce que...